petit faible juste pour commencer la vidéo. Alors Shimotsuki Kozabura, qui a le titre éponyme de ce chapitre 1033 de One Piece, donc descendant des Shimotsuki, qui est donc forgeron Oda, ne sort pas son design de nulle part, puisque le katana qu'il a créé, Wado Ishimonji, et aussi Enma, bah Wado Ishimonji, en fait, quand il avait dessiné les katanas, s'ils étaient des personnages humains, alors tu peux remarquer qu'il a pris quasiment le même design, et ça, franchement, encore une fois, un détail, mais comme quoi tout est lié, le créateur et son épée, ils ont la même gueule. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1033 de One Piece. Un chapitre juste énorme, puisqu'il se concentre entièrement sur Zoro. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, parce que je sais que ça peut être compliqué lorsque, en fait, on part dans plein d'intrigues différentes, on suit plein d'endroits. Là, on est vraiment concentré sur son combat, et franchement, là, on part vraiment sur du pur développement de personnage, et ça fait énormément plaisir. Mais j'ai deux points à évoquer lors de cette review. Déjà, le maniement de l'épée à qui des rois tu connais, mais aussi les origines des personnages, puisque en fait on est en plein dans ça, que ce soit le combat Zoro vs King, avec Zoro qui veut connaître la race des personnes qu'il affronte, après c'est comme il veut, et Sanji vs Queen, puisque en fait Queen pose plein de questions à Sanji sur ça, et justement lors de chapitre, on sait pas pourquoi Queen va commencer à lâcher des informations justement sur King et dire oui c'est un lunarien, il le battra pas, tu connais, il survive à tous les environnement. En plus, normalement, ils étaient considérés comme des dieux, mais ils ont été exterminés. Et Sanji, il va demander pourquoi, mais il va pas avoir de réponse. Ok. Pourquoi il a commencé à parler de ce truc? Entre Queen et Who's Who, il faut dire que l'équipage de Kaido, sa plus grande faiblesse est peut-être d'un petit peu trop parler. Après, on peut aussi se dire que la marine a joué un rôle dans toute cette extermination, vu que quand même, on a une page cover sur la marine qui peut sembler anodine, mais voilà, pourquoi pas. On a donc un combat entre Zoro, qui disait qu'il ne priait aucun dieu, contre un Lunarian qui est considéré comme tel. Mais donc vraiment, ce qu'on arrive à voir lors de ce chapitre, c'est que le King, il est littéralement invincible, si on n'arrive pas à déceler justement quelles sont ses origines, d'où il vient. Et en plus, lors de ce chapitre, on revient aussi sur les origines de Zoro. Je pense que à la fin de Wano, des personnages comme Sanji et Zoro, ils vont terminer l'arc, pas seulement en étant devenus plus forts, mais en sachant mieux qui ils sont. Mieux se connaître et aussi mieux connaître leurs capacités, comme Zoro qui en apprend énormément sur les katanas lors de ce chapitre. Parce que oui, le combat, il est vraiment sauvage. Il faut dire que King, il lâche rien du tout. Là, t'as vraiment l'impression de voir un pirate se battre. Il lâche rien. Alors que Zoro, il a du mal à contrôler Enma. Il va continuer à l'attaquer tout le temps. Il va lui foncer dessus, lui donner des coups d'aile. Il va le faire tomber. Et même, il va se poser devant lui et ne pas le respecter en juste le regardant se faire planter et exploser devant lui. Tu sens que c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pas du tout un être humain. Mais que surtout, il est pas là pour rigoler. Il s'en fout si Zoro, il a des problèmes. Il a pas son katana. Il sait pas, il attaque. Et c'est ça qu'on attendait quand même de l'équipage des bêtes sauvages. Bien sûr, le plus intéressant lors de ce chapitre, c'est la relation entre Zoro et ses katanas. Parce qu'on va le voir, justement, durant ce début de chapitre, perdre à plusieurs reprises ses katanas. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans One Piece. Mais ce n'est peut-être que pour mieux les retrouver lors de toute son introspection. Parce que si à Alabasta, Zoro avait appris à mieux utiliser, manier les épées et peut-être utiliser le haki, ça reste quand même une théorie populaire, ne pas simplement utiliser la force brute mais se mettre entièrement dans son katana, maintenant ici avec ce chapitre on a un petit peu les mêmes vibes, que ce soit avec le Shinchi Sonson qui fait rien du tout à King, qui est vraiment assez choquant, et justement tout le rythme un petit peu posé où Zoro il va se poser des questions, il va parler un petit peu à ses katanas. Et c'est vrai, là le but de ce combat avec ce chapitre, ce qu'on voit, c'est de comprendre ce que sont les sabres afin de mieux les manier. Et c'est super intéressant parce que on a donc les interventions justement de Shimotsuki Kozabura, forgeron qui serait arrivé à East Blue vu les divers indices ici là, Mononosuke et tout, et aurait donc fondé le village Shimotsuki. Vu qu'il a forgé Wado Ishimonji et Enma,
il s'y connaît en termes de sabre. Et il le dit à Zoro en fait, chaque sabre a sa personnalité, il faut les considérer comme des personnes. Et ceux qui disent oui, il est maudit, c'est pour ça que j'arrive pas à le tenir, non, c'est parce qu'ils sont trop faibles pour soumettre le sabre à leur propre volonté, et c'est donc ce que va devoir faire Zoro. Ça pourrait même expliquer la technique Ashura où en fait les trois têtes représenteraient chacune une facette, une personnalité de chacun des sabres. Même s'il y a énormément de mystères sur ce personnage, est-ce que c'est vraiment le grand-père de Kuina ou peut-être que c'est le grand-père de Zoro vu que justement il y avait un autre Shimotsuki qui avait la même gueule que Zoro, ou ça se trouve que c'est le père de tout le village, il a trouvé une île avec juste des femmes et après voilà, enfin je te passe les détails. Mais en tout cas, Zoro a retenu la leçon. Et là où, justement, Oda est fort, c'est que pour soumettre un sabre qui s'apparente à une personne, tu vois que Zoro, maintenant, le sait. Il va essayer de se donner à fond et va même libérer son haki des rois, le revêtir sur ses armes. C'est ce qui semble être à la fin du chapitre. Parce que là, on a vraiment l'impression de voir un Zoro qui, au lieu de se battre contre Enma, lui donne toutes les ressources nécessaires, quitte à tout lâcher, même son haki des rois. Là, il est plus dans la confrontation avec le sabre, mais dans la domination. Il y a des gens derrière qui tombent dans les pommes, et c'est vraiment très bien vu de la part d'Oda, parce que c'est le pouvoir qui soumet les gens, en quelque sorte, et là, il va soumettre ses katanas, Enma, à sa propre volonté. Et voilà, le chapitre va se terminer sur cette dernière page qui risque d'être légendaire, là où King se rend compte que Zoro a des ambitions de roi, et c'est normal, parce qu'il le doit à la fois à son capitaine, mais aussi à sa plus vieille amie, Kuina. Bon, malgré tout, je pense que c'est vrai, le haki des rois sur une arme, là, il atteint un level au-dessus, le Zoro. Vraiment, je pense que... il y a peu de personnages qui peuvent se targuer de pouvoir faire ça. Ça veut dire qu'il pourrait monter et affronter Kaido, là. Enfin, je dis pas qu'il est assez fort, mais je dis que, en tout cas, il en a la possibilité. Après, est-ce que ça suffira à affronter King, vu qu'il semble avoir une sorte de constitution spéciale? Pourquoi il a explosé quand Zoro lui a mis un coup de couteau bien placé? Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était pas fait exprès? Est-ce qu'il aurait touché une sorte d'organe ou qui sert à créer du feu? Et donc, tout aurait explosé. De toute façon, il va falloir énormément de choses pour combattre ce King. Mais là, je pense qu'on arrive sur une masterclass. Et je trouve ça assez étonnant qu'on rentre autant dans le vif du sujet sur le combat de Zoro avant celui de Sanji, parce que normalement c'est pas du tout la façon de faire d'Oda. C'est pour ça que je me pose énormément de questions. Est-ce que en vrai Sanji va vraiment se perdre lors de son combat? Est-ce que Sanji va réussir à tirer d'autres informations de Queen et va appeler Zoro? Parce que je vous rappelle qu'il y a le Dendenmushi et je pense qu'il sera quand même encore une fois utile, parce qu'ils l'ont énormément évoqué que Zoro il avait un Dendenmushi. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Ça fait vraiment du bien de retourner sur un chapitre qui se concentre sur un seul personnage, de pas s'éparpiller sur plusieurs intrigues qui peuvent être difficiles à digérer. En vrai, quand tu lis un seul chapitre, là, on était à fond sur Zoro et franchement, c'était pour notre plus grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.